le Fils de Dieu est venu accomplir des guérisons dans un bien précis pour libérer ceux qui viennent à lui. Sa venue ici-bas a eu un impact sur la vie de milliers de gens à son époque. Et aujourd'hui encore, Jésus guérit ceux qui viennent à lui afin de libérer les corps, mais agir aussi sur le corps. Écoute bien ce chant inspirant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance émission du matin, l'Évangile, notre espoir.
Est-ce que tu sais que l'amour de Dieu est assez grand pour te guérir? J'aimerais te dire, il y a assez de puissance dans son amour, dans l'amour de Jésus, pour guérir ton cœur, guérir tes pensées, guérir tes sentiments et ton corps aussi. J'aimerais aujourd'hui te conduire à cette guérison de l'âme et aussi du corps, possiblement. Vous savez, la guérison qui libère, elle est tout près. Mais il te faudra quelque chose d'essentiel dans ta vie pour y arriver, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Les Écritures nous disent que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais t'annoncer une parole de la part du Seigneur aujourd'hui. Et je crois que Dieu a une parole d'espoir pour toi en ce jour. Comment le Seigneur accomplit ses guérisons? Nous avions vu la semaine dernière deux méthodes que Jésus utilisait pour guérir. Nous avions vu l'importance de l'imposition des mains aux malades et Jésus les a guéris. Il a posé ses mains. Quand Jésus est venu sur terre, il a posé sa main sur des gens. Ils ont été guéris. Et il guérit aussi par le moyen de sa parole. Nous avions vu ça les semaines antérieures. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Dans certains cas, le Seigneur réprimandait l'infirmité d'une personne ou l'esprit qui causait cette infirmité-là. J'aimerais lire avec toi, si tu as bien à ta Bible, et j'aimerais que tu y regardes ce qui est écrit. Je crois dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 17, versets 18 à 20, il nous est dit ceci. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oh, quelle parole puissante que Jésus ici nous témoigne! Trois choses importantes dans ce texte-là que nous voyons, c'est que Jésus a parlé sévèrement, le texte nous dit. Il a parlé à l'infirmité, il a parlé à la personne qui était devant lui afin qu'elle soit guérie, mais il a réprimandé l'esprit. Non, mais si tu t'attardes ici, là, il y a trois éléments importants ici qui est dit dans ce texte-là. Quand Jésus parle, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la parole de Christ a une puissance. Il y a de la puissance. Parce que Jésus est celui qui est venu dans ce monde. Il est mort et ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. Et ceux qui croient, ceux qui ont la foi, comme un grain de sénévé. Cet ingrédient est tellement important dans notre vie d'avoir la foi dans le sacrifice que Jésus a offert sur la croix, mais aussi dans sa résurrection. Jésus est ressuscité pour venir donner la vie et la vie en abondance. Et si on a cette foi-là, okay, cet élément important dans notre vie, on peut transporter des montagnes. Jésus dit,
vous direz à cette montagne. Et ici, Jésus, il fait allusion à cette maladie que cet enfant avait. Et avec la foi, il dit que cette montagne, cette difficulté, cet esprit, ce démon, il l'appelle un démon. Vous savez, c'est vraiment pas populaire aujourd'hui d'entendre parler des démons. On va dire, ah, c'est archaïque, c'est un vieux jeu, ça, cette affaire-là, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe plus. J'aimerais que vous remettre juste les pendules à l'heure en ce qui concerne les démons qui sont en action encore aujourd'hui dans notre génération et plus que jamais. OK? Le Nouveau Testament atteste abondamment la réalité et la personnalité des démons. Et il y a des mauvais esprits et qui sont des démons. Et ce sont des émissaires de Satan et son armée qui ont un pouvoir pour déclarer des choses, pour dire des choses, pour exercer leur pouvoir partout où ils peuvent aller. J'aimerais ça lire avec toi, si tu veux. Oh, ta Bible encore aujourd'hui, Marc chapitre 5. J'aimerais lire quelques textes ici. Marc chapitre 5. Et j'aimerais lire le verset 2. Aussitôt Jésus fut hors de la barque et il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, et criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. J'aimerais te dire que il y avait des esprits qui était un peu. Qu'est-ce que c'est un esprit un peu? Ça peut se manifester envers des humains comme envers parfois des animaux même. Et ici, on le voit dans ce texte, dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Les esprits un peu, ils peuvent influencer des personnes, les posséder. Les esprits un peu peuvent être violents, méchants. Et ces esprits-là savent, parce que les démons savent qui est le Fils de Dieu. Mais ils n'ont pas une autorité comme Jésus a cette autorité. Et cet esprit un peu là qui était sur cet homme-là manifestait des actions méchantes. Il était dans un état impitoyable. Les médecins de son temps ne savaient pas quoi faire avec. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait de la violence. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a de la violence, de la colère, de la vengeance, qui est animé d'un esprit impur? Beaucoup de gens sont tourmentés aujourd'hui dans leur vie par toutes sortes d'esprits. Et cela provoque des maladies. Si vous allez voir votre médecin et qu'il vous demande, vous êtes bien stressé donc.
Vous devriez vous reposer un petit peu. Le stress provoque des maladies même dans notre propre corps. Quand je vous parle de guérison qui libère aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon ami, que Dieu veut libérer de toutes sortes d'esprits. Je me rappelle même quand j'étais jeune moi-même, j'avais de ces sentiments, de ces pensées colériques envers qui? Envers mon père. Et j'avais même jusqu'à maudire mon père. Oui, oui, Denis, moi le pasteur, là, j'avais maudit mon père quand j'étais jeune parce que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. J'avais un cœur rempli de rage, de colère, de vengeance. Le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, le Seigneur est venu déposer dans mon cœur un pardon. Il m'a guéri dans mon âme. Il m'a libéré de cette colère, de cette vengeance. J'ai été voir mon père. Je lui ai demandé pardon pour ce que je lui avais fait, ce que j'avais dit de lui. Et c'était le moment le plus extraordinaire que j'ai vécu avec mon père, ici-bas, sur terre. Jean, mon père, qui aujourd'hui a rejoint le Seigneur, qui est décédé il y a quelques années. Mais j'ai pu régler cela afin de pouvoir être guéri dans mon âme. Et toute cette vengeance, cette colère que j'avais, Jésus m'en a libéré. Alléluia! Je suis libre maintenant dans mon cœur face à la colère, la vengeance, la rancune, l'angoisse, la peur, parce que Jésus est venu me guérir. Oh Dieu, merci. J'aimerais te lire encore un texte dans l'Évangile de Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, versets 23 et 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Oh, quel manifestation spéciale. Vous savez, ici, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réprimandé cet esprit fortement. Il y avait un esprit dans la personne ici qui était devant lui. Et ici, il était sur le bord de la synagogue. Il était dans un endroit où ce que il y avait des gens qui célébraient Dieu, là, ici, là. Et ces esprits-là connaissaient qui était l'autorité qui était devant eux, Jésus de Nazareth. Et Jésus a réprimandé cet esprit-là parce que Jésus savait que son temps n'était pas venu d'être dévoilé pleinement pour qu'il ait. On commence l'évangile ici de Jean, de Marc. Ici. Et il a réprimandé sévèrement cet esprit impur. Oh, quelle joie de savoir que Jésus, encore, veut parler à travers même sa parole. Il veut parler à travers ce que je vous partage aujourd'hui, afin que toi, tu puisses expérimenter la guérison dans ton cœur, dans tes pensées, et aussi même dans ton corps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous sensibiliser à cette campagne de pouvoir préparer vos boîtes cadeaux. Et merci à vous. Il y a beaucoup qui ont répondu, vraiment. J'ai eu un appel la semaine dernière, une personne qui m'a dit, j'ai mes boîtes de préparer. Et vraiment, c'est encourageant de voir des gens qui préparent des boîtes pour des enfants qui ont grandement besoin cette année, en 2022.
Appelez Laurence au 418-330-0123. Et on se revoit après cette belle annonce. C'est une explosion de joie. Ces enfants rayonnent de joie car ils reçoivent un cadeau pour la première fois de leur vie. Qui ne voudrait pas d'un cadeau? Qui ne voudrait pas d'une surprise? Ça leur montre qu'ailleurs, des gens se soucient réellement d'eux. Nous avons ici une armée de bénévoles qui préparent les boîtes. Je crois que les bénévoles de l'opération Enfants de Noël sont vraiment la force de ce projet. De faire partie d'un projet qui touchera plus de 10 millions d'enfants cette année est très emballant. On remet une boîte à l'enfant, mais ça ne se termine pas là. Le plus grand impact, en fin de compte, c'est que des vies seront changées. Ma prière est que Dieu vous enverra parler de son Fils Jésus à tout le monde. L'opération Enfants de Noël a créé une onde de choc dans le monde entier. Ça commence avec une boîte et ça finit avec des communautés et des pays transformés. Ces boîtes sont comme une flamme, une petite lumière qu'on allume dans une partie sombre du monde pour changer les choses. Merci, merci, merci. Suppliez votre. Nous voulons assurer aux enfants du monde entier qu'il y a un Dieu qui les aime. Wow, que c'est impressionnant de voir la joie que les enfants peuvent avoir quand ils reçoivent une boîte cadeau. On veut vous mettre au courant de ces choses parce que moi, je veux que cette année encore, qu'il y a quelques enfants, moi et Sylvie, on prépare de ces boîtes-là et c'est tellement encourageant. Merci à vous qui y participez. Nous étions rendus à un endroit dans ce que nous partageons aujourd'hui sur comment Christ a accompli les guérisons. Jésus est celui qui veut réprimander des mauvais esprits. Quand on vient à lui, et Jésus veut aussi aujourd'hui vous dire ceci, que les gens étaient aussi guéris quand ils étaient touchés. Seulement que les gens voulaient même toucher Jésus. J'aimerais lire un texte avec vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9. Évangile de Matthieu, chapitre 9. Le texte que j'aimerais lire, c'est au verset 20 jusqu'au verset 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Fait extraordinaire, c'est que cette guérison-là a eu lieu parce que cette personne avait un ingrédient essentiel, la foi dans le Fils de Dieu. La foi en Jésus, elle avait entendu parler que quelqu'un avait été guéri, elle avait entendu parler de délivrance, elle avait entendu parler de guérison, mais l'élément de sa foi a été essentiel afin qu'elle reçoive la guérison en touchant Jésus par derrière. Et ça dit bien ici, en s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle a eu foi, non pas dans le vêtement, mais dans celui qui portait ce vêtement, Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a pu identifier que la foi de cette personne en sa personne, en la personne de Jésus, lui qui savait qui il était, lui qui savait que ceux qui venaient à lui, par la foi, pouvaient être guéris. Et cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Pouvez-vous imaginer un peu cette femme qui, depuis tant d'années,
souffrait de ses pertes de sang. Elle avait de ses pertes où elle ne pouvait plus avoir d'énergie à la fin de sa journée. Elle n'avait plus de force physique et certainement émotionnelle à travers cela. Elle avait dépensé beaucoup pour essayer d'avoir une guérison quelconque. Mais elle est venue vers Jésus avec une détermination. Elle s'est approchée derrière. Elle ne voulait pas être reconnue et déranger le maître, Jésus. Mais elle est venue seulement toucher le bord de son vêtement. Et elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle avait tellement la foi dans qui était Jésus que cela a changé sa destinée. Elle fut guérie. Et Jésus a dit, « Ta foi t'a guérie. » Oh, wow! Sa petite foi, ça ne prend pas grand-chose. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'es pas loin. De ressortir. Excusez-moi. Vous savez, il y a un autre texte que j'aimerais lire avec vous. Dans Matthieu. Tournez avec moi dans Matthieu encore. Matthieu chapitre 14. C'est une autre déclaration où ce que quand quelqu'un est venu vers Jésus, elle fut guérie. Matthieu chapitre 14, verset 34 à 36. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Oh, mal! C'est pas qu'une personne, mais tous ceux qui sont venus à Jésus en touchant qui il était, étaient guéris. Je trouve particulier que les Saintes Écritures nous disent cela. Certainement qu'aujourd'hui, vous avez dit, ben oui, mais Jésus n'est pas ici, là. Puis jamais que tu as dit, Jésus n'est pas avec moi dans mon bureau ici, là. Mais Jésus était quelque part dans ma vie. Il est là dans mon cœur. Et il vous dit quelque chose à travers moi. Peut-être que physiquement, tu ne peux pas le toucher. Mais si tu as la foi, si tu as la foi dans ce que Jésus est venu accomplir, il est venu prendre sur ses épaules tes péchés, tes maladies, afin de t'en libérer et de libérer ton âme de l'angoisse, de la peur, de maladie quelconque. Jésus, comment guérit-il quand on vient à lui tel que nous sommes? Sais-tu que Dieu veut t'accorder encore aujourd'hui de la guérison dans ton âme? Il veut t'accorder une touche particulière dans ton corps. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à tendre ta main vers le ciel, juste par la foi. En levant ta main vers le ciel, disant, Seigneur, j'ai besoin d'une touche de toi afin d'être guéri de mon cancer qui me ronge. J'aimerais te dire ceci. La véritable guérison qui libère notre vie est avant tout celle du cœur. Je t'invite à pouvoir appeler si tu as besoin de prière. Suzanne se fera tellement un plaisir et elle est tellement discrète. Si tu ne veux pas que ton nom soit divulgué, il n'y a aucun problème. Mais prends donc le téléphone. Appelle Suzanne. Elle priera avec toi. 629-5412. Elle se fera tellement ce plaisir d'être avec toi au bout du téléphone.
Je vais te dire en terminant, le Seigneur, il veut te tendre la main. Il veut t'aider à pouvoir être guéri. Et son désir est de produire en toi cette guérison dans ton cœur et remplir ton âme d'espérance. Est-ce que tu as besoin d'être fortifié aujourd'hui dans ton cœur? Peut-être que tu te sens faible, que tu te sens sans force. J'aimerais te dire que l'espérance dans le Seigneur Jésus ne trompe jamais. Parce que son amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et il répand en nous sa paix, sa joie, son amour. Vous savez, Dieu veut agir dans votre vie aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses toucher là où il y a un cancer, là où il y a une difficulté physique, dans le genou, dans la hanche, dans le dos. Oh Dieu, viens souffler, toucher. Toi qui as tout accompli, viens guérir, je te prie, de ton doigt divin, Seigneur Dieu. Ce qui est dysfonctionnel aujourd'hui, je prie par la foi, Seigneur, aujourd'hui, parce que je sais que dans la puissance du nom de Jésus, il y a de la guérison. Alléluia. Est-ce que tu veux t'appuyer sur Dieu aujourd'hui? Écoute bien ce chant, je n'ai rien à craindre. On se revoit la semaine prochaine avec cette série sur la guérison qui libère. Sois richement béni en ce jour. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Yeah.
sa place. Ton amour est là. Oh. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Toute ma vie.